Yop, 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 mes loulous, c'est tonton Tomic, on est sur Undermine. Et là, on a un petit début plutôt sympatoche, déjà. On va avoir trois bombes, une clé, et surtout ça, la relique. Ça, c'est la bonne surprise. Ça renvoie des dégâts en continu, donc ça veut dire on va faire une run pour buter un boss. Bien retort. Et j'ai 50 000 balles encore à dépenser. 50 000. J'ai fait une belle run quand même. Hein. Les dégâts de frappe. La vie maximum. J'avoue. Un petit 20 de plus, mais bon. Allez, les attaques à distance. Et on peut se remettre un peu de vie. Ou alors, les dégâts de la bombe. Allez. C'est parti! Ah, il me faut de la puissance de feu là, j'espère que ça va taper dur. Oh, la vie, 490. Ok. Ça commence pas mal, j'aime bien. J'en ai oublié mon piaf, moi. Hop là, ça s'est raté. Ah, c'est con. Oh. Zut. Monsieur, rien. Faut que je me détende un petit peu parce que je me fais toucher, c'est pas bien. C'est pas bien. Comme demander une clé dès le début, c'est un peu rare quand même. Ah, ça c'est bien. Ok. Encore mon pouvoir. Ah, j'ai tapé dans le squelette, je suis con. Je l'ai vu en plus. Je l'ai vu, la connerie. C'est bon, ça se barre, merci. Alors,
La botte. Ok. J'ai 4 clés. Est-ce que je me fous une malédiction tout de suite? On peut. Alors, vitesse de frappe. C'est vrai que j'aime bien la vitesse de frappe. Allez. Bing. Alors. Réduit la vitesse de frappe. C'est des rigolos. Hein. Ouais. Ok, par contre, faut que je remonte ma vie. Là. C'est pas bien ça. On est bien en clé, on est bien en bombe. Ok, on a le marchand au-dessus. Bon, on va aller là. Retire une malédiction. Je pourrais me la retirer pour 300 balles. Je perds un peu de vie. Bon. Une petite bombasse. Je prends tout. Et hop. C'est Nux. Oui. Ils sont bien généreux, hein. C'est la cage de cœur, ça, je crois. Ça, j'ai jamais pigé. Il y a marqué 10. Parce que ça améliore les objets qu'on trouve. Je pige pas. Mystérieuse boîte, l'itin en désastre. Avant que son groupe ne soit disséminé, Kurtz a le bon sens de stocker certaines affaires par précaution. J'avoue, je ne sais pas. Ah putain, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu la plaque. Surprise. Une petite d'air. On a refait. Ah putain! Mais
Oh non, mais je peux pas partir comme ça. 50, allez. Non! Putain. Quand je disais qu'ils étaient généreux, ben là, je retire tout ce que j'ai dit. Si là, je suis content d'avoir un peu de bouffe. Allez, on arrête de déconner maintenant, c'est la remontada. Parce que là, j'étais bien parti, en plus, j'ai fait la fameuse relique des pointes quand on se fait toucher, et ça fait tellement mal. Que contre le boss, c'est quasiment indispensable, faut vraiment que j'assure. Putain, et je dis ça, et voilà. Et je me fais encore toucher. Bordel! Hop. Salle à la con comme ça, ça fait pas plaisir. Hein. Je crois que c'est pas mal ça. Oh, là, là, la chaîne d'éclairs. Ça c'est bien. Ça. C'est de la puissance. Alors, qu'est-ce que c'est la salle? On peut acheter des trucs. Ok. Non, je vais pas dépenser cette clé. Ça me coûte 25 de cœur pour avoir une bombe, mais ça se fait quoi? Ah non, le doppelganger, c'est... Va te faire foutre, c'est nul à chier. C'est nul à chier ce truc. J'ai déjà cette bombe. Oh, puis la bouffe, c'est que 30. Ça aurait été un poiscaï encore, ou un gigou, je dis pas. Oh, le trou, je l'ai vu de près, là. Je l'ai vu de très près, j'ai pas aimé. Alors, deux coffres, oui, ça vaut le coup. Que je risque de récupérer une clé dans un des coffres. Toutes les reliques, oui. Et là, ce sera de la bouffe. Il est pas trop mal là. Alors ben donc tout à droite hein. Un peu peur toi. Et ben on descend. Ah, 2 secondes, j'avais pas vu. Ça. Et on continue la vitesse de frappe. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Moins de dégâts de frappe. On a connu pire.
Je vais augmenter un peu la musique, pour le plaisir. Un petit coup. Voilà, comme ça, on est bien. Ça change tout, hein. Hop, hop. Gauche, peut y avoir un coffre potentiel. Non, c'est les champis. Ok. Je pense que celui-là, je l'aurai pas. Ouais. Alors, ouais, la clé, ça se prend. La bouffe aussi. Ok, c'est le passage. Raté. Il est où mon pouvoir? Bon sang de bonsoir, il va être là. J'utilise un peu plus mon piaf. Hein. Oulé. Le pouvoir d'abord. Oui, merci. Ah, c'est la bonne run. On va pouvoir se recharger vite fait. Putain, j'ai pas eu le temps de sauter, il y avait le coffre. Ça m'a bloqué. Dommage. Alors, une bombe, quoi. Du coup, je vais peut-être en faire péter un peu, là. Où est-ce que ce serait le mieux que ça? Si je me démerde bien... Tant pis. On se casse. Hein? Ah oui, merci. Ça, j'étais pas bien riche. Ok, bon, on se bat. Une bombe pour une bombe, allez. Eh non. Ah non. Ah bah c'est vrai que je pourrais faire péter ça aussi. Ce que j'ai sur moi, c'est top. Allez.
Mais bien sûr. Ah mais tire-toi! Mais comment il m'a bloqué? Sérieux? Débrouiller, c'est cool. Oh, il est passé sur la trappe, ce fils de con. Délire. Ok. Permet de stocker de la nourriture et de la garder pour plus tard. Bof, hein. Alors on change. Ouais. Pourquoi pas contre le boss? Pourquoi pas? Ah mais contre lui c'est pratique hein. Ah. Marchons. Putain. Non, on va pas prier, il me reste qu'une clé, c'est mort. De la bouffe. Ah, oh, mais vous êtes sérieux? Ça coûte une clé. Hey. Ah.
Eh ben, c'est coton. Là, c'est le genre d'endroit où pourrait y avoir un truc secret ici, hein. Mais bon. Hop là, allez, vas-y, fais ton boulot. Ouais, on reprend un peu de vie, on reprend un peu de couleur. Ça fait du bien. Hein. Si on allait voir tout de suite le pouvoir. Ah, je crois que c'est, y a plus de trucs dans les, dans la boutique. Ah ouais, c'est bien ça. C'est bien ça. Bon, faut pouvoir y accéder à la boutique. Eh ouais. J'ai plus de clé. Fait chier. Oh non! Putain, j'ai pas vu ce buisson de merde! Plus on va passer de niveau, plus on aura de fric, donc plus on pourra se remettre de vie. Ah oh là là, mais les clés encore, c'est un problème. C'est un gros problème. Tape dedans. J'essaye de réfléchir pour bousiller plusieurs trucs en même temps, mais bon. Voilà, propre. Propre, mais pas de clé. Par contre, je peux me retirer la malédiction en bas si je veux, en échange de la vie. Alors, on va le faire. Bien. Ah, c'est trop pratique contre eux parce qu'il faisait chier au corps à corps. Il était assez violent en plus. Enfin.
Non, non, je suis très con, je suis très con, je suis très con. Ah, franchement, je m'en veux à mort. Putain! Saute! C'est quoi ça? Vous montez pas vraiment les dégâts lorsque vous ramassez de l'or. Ouais. Donc on rentre dans une salle, on tape d'abord sur l'or avant de taper les bestioles, quoi. C'est une idée. Ça peut valoir le coup. Ah oui, pas mal, bon final. Quand j'ai pas de clé pour accéder encore. Ah ouais, non, c'est très nul ça. Je me bats. Et bon bah encore Zob pour j'ai pas mal de bombes. Ah, rien qu'ici, ouais. Que dalle. Normalement, si je le balance là, j'aurai les trois. Cool. Ok. Je vois le délire, je vois le délire. Ok. Ouh. C'était tendu, mais on est bien sorti. Mais pas de clé. Pas de clé, pas de clé, toujours pas de clé. Oh oui. Allez, là on va au magasin, tant pis pour le pouvoir. J'ai quand même coup 5 emplacements. Qu'est-ce qu'il va me donner? Alors, une autre clé, ça c'est bon. Bombe, bon, ça s'en fout. Par contre, dupliquer tous les objets de base dans la pièce, je prends. Je prends, je prends, je prends. Comme ça, si on tombe sur une clé, on en aura deux de plus. Allez, peu de bouffe. Bon, allez, hop. Bon, après tout, on a dit c'est pas une run pour de la bouffe, c'est une run pour le boss. Et pour affronter le boss, ça serait bien que je récupère de la vie. Bordel là. Ding, 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 ding.
Mais ça va venir, la vie. À la preuve. Et encore une bombe. La touche. Non, il n'y a rien d'autre. On va se barrer parce que ça me pète les oreilles. Ouh, salut les mecs. Ah. Ok. Allez, on est remonté, on est remonté. Eh ben, approche-toi un peu là. Hop là, il est pas mort. Ah, l'enculé! Ok, ok. Ah, on a le magasin gratos. Ça, ça fait plaisir. De la bombe, de la bouffe. Ah, la bouffe est trop chère en plus. Hein. Est-ce que je prends les bombes? C'est que 100 balles. Ça, c'était quoi déjà? Reste en paix sans me passer. Ok, détente. Bon, allez. Augmente la vie. Oui, oui, oui. 462, on est bien. On est bien. Et du coup, c'était ce boss-là, hein. Ah non. En fait, celui j'ai jamais fait. On se le fait, on se le fait pas. Là, je viens de monter en vie bien méchamment. Attends, il y avait quand même encore des pièces à se faire d'abord. Oui.
Je suis pas fou pour ouais non, je vais pas aller faire la malédiction. On sait jamais. Je vais se courir. Du coup, que fais-je? Je vais faire le boss. Allez. Franchement, c'est faisable. En plus, j'ai mon piaf. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Hein? Je te le demande. Ok! Ou pas, d'accord. Allez! Oh là, j'ai trop de trucs, c'est trop cool. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors déjà, artefact découvert, clé des salles. Yes. Recette découverte, nectar du carillon. Ok. Fragment de mortar. Et orbe électrique. Ok. Puis j'ai même pas énormément perdu énormément de vie, donc tout le temps va bien et quoi. Give me a key, give me a key. Ah, mon petit pief niveau 3. Très bien. Bon, il va y avoir un petit dragon de planqué. Ouh, je l'ai vu avant qu'il se transforme, nickel. Et encore un autre.
Alors, on peut stopper une malédiction, mais bon, on va fouiller d'abord un peu. Rage. Ah, sa mère, je suis trop con. Je suis trop con. Bon, ça serait bien que je me concentre un peu, hein. Parce que là, je vais pas vivre vieux dans le coin si je continue comme ça. Non, mais non, mais non, mais non, encore ce problème de bot. Putain. Ça, c'est pas mal. Je suis pas bien en vie, ça va pas, ça va pas, ça va pas là. Accélérer, voilà. Bon, les magasins, propose-moi des trucs cool, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Alors, c'est pas mal. Ça, c'est 75 points de dégâts, c'est dur, c'est chèrement payé. On va aller prendre la malédiction, on va augmenter la augmenter la vitesse de frappe encore. Ok. Prendre le poison. Hein. Ah, j'ai pas la vitesse de frein. Vous faites chier, vous faites chier, vous faites chier. Les soins plus efficaces, peut-être. Ouais. Concentré, concentré. Ah ouais, mais je perds. J'ai de le faire maintenant, quoi. 79 de vie, je vais bien. Tout va bien.
En deux coups, je peux mourir. J'allais dire, donnez-moi au moins un peu d'or au début, ben ça va. Yes, ça fait du bien. Oh mais non, c'est nul ça. T'as chier. Hop là. Merde. Oh, puis je reste dedans. Non, 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 non. Ok, ok, ok. Ok, bon. Alors, Aquasky, ça le fait, la clé ça le fait, là bon ça le fait. Si ça le fait, du coup le petit coup de la malédiction, on va voir ça. Pourrait me vendre au moins de la potion verte, quoi, sortir la malédiction sans te retirer de la vie. Ce serait quand même un tantinet plus sympa. Enfin bon. Je m'en doutais que c'était une très mauvaise idée. Putain de merde! Au secours, la salle de daube! J'aurais dû faire tout à la main. Pourquoi j'ai attaqué au loin? Ah putain, Pierre, lui, il vient me faire chier en plus. J'ai retenté, j'étais pas fier là. Ah putain. Merde, au moment où je me pointe. Oh, c'est lourd. Un truc, retirer une malédiction, super. Et au moins c'est gratuit.
J'ai rien pour prier ici. Oh, c'est lourd quand même. Ça file un truc, ça sert à rien. C'est nul, lâche. Je crois que t'es... Ouais, on va dire que c'était une... C'était un petit peu méchant, mais bon. Avec ma défense, là, c'est vrai que ça fait tellement mal. Mais il faut que je retrouve de la vie, là, putain, sinon je pourrais pas me taper le boss, hein, c'est mort. Dans le trou du cul du monde. Que fais-je? Fouiller d'abord. Ah ouais. Allez, donne-moi du lourd. Je suis un peu dégueu. Non. C'est correct. Alors du coup, je vais le faire. Ouais. C'est bon ça. Et si je le dupliquais ce truc? Mais alors, est-ce que ça marche là-dessus? C'est pas sûr. Hein. Non, j'ai pas tenté.